Yuli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait très plaisir et c'est une petite reconnaissance vis-à-vis de ma chaîne. Voilà, bon, après me faire un petit peu la pub, je viens vous présenter cet oracle qui m'a l'air magnifique que je viens de recevoir des éditions Très Daniel. Alors, c'est l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn L.M. Déjà, j'aime beaucoup ce dessin. On dirait comme une fleur de vie ou une mantra. J'aime beaucoup. On voit dans l'illustration principale qu'elle tient un peu l'univers, tout un être, quelque chose entre ses mains. Hein. Alors, il vient dans une boîte rigide. C'est des éditions Béga. Et il coûte 26 euros. Donc, je pense que vous pourrez déjà le trouver dans les magasins. Alors, qu'est-ce qui nous marque derrière? Libérez-vous des épreuves qui jalonnent votre vie en retrouvant votre chemin intérieur. Ici, pas de guide ni d'ange, juste un dialogue intime, de soi à soi, entre la partie de nous qui connaît les réponses et la part de notre être qui appréhende sa vie au travers des filtres déformants que ces expériences ont créés. Les 44 cartes magnifiquement illustrées de cet oracle seront les clés vibratoires qui vous permettront d'atteindre ces parties de vous-même. Vous pourrez alors vous reconnecter à votre être tout entier en étant pleinement à son écoute. Il vous guidera ainsi dans cette harmonie sur votre chemin intérieur et vous accompagnera afin de surmonter toute problématique affectant vos choix, vos expériences et votre émancipation. Ce coffret contient 44 cartes vivantes ainsi qu'un livre d'accompagnement de 152 pages. Et il est vendu à 26 euros, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, on va l'ouvrir. J'ai hâte de les découvrir parce que je vois des images, je ne vais pas dire simples, mais je les trouve simples, belles à la fois et très, très parlante. Donc moi aussi, j'aime beaucoup toutes ces couleurs comme ça, avec juste un mot-clé qui nous laisse un petit peu partir dans notre intuition. Alors allez, on va l'ouvrir. Des fois, ils sont un petit peu durs à ouvrir quand ils sont neufs. Hein. Voilà, donc une boîte toute en couleur. Je ne sais pas si on dirait un doré, mais un jaune pâle, jaune verdâtre, hein, avec l'intérieur violet. Alors, il y a des personnes qui ne prennent pas attention à la boîte. Moi, je vous montre tout. Donc, comme ça, la boîte, le livre. Alors, un petit peu tordu ici, qu'on va regarder après. Oh, regardez le dessin, il est très beau, il est sur le livre aussi. Alors, il vient dans une pochette dorée. Alors, c'est un doré différent des autres. C'est un doré un peu plus pâle, un peu plus beige. Très joli. Et là, on va découvrir les cartes. Elles sont très grandes. Alors, on va enlever ça. Le petit papier. Alors, voici les cartes. Je vais découvrir magnifique couleur. Alors la tranche est dorée, c'est bien parce que ils sont déjà décollés, ils sont pas, des fois j'ai du mal à les ouvrir et là non, c'est bien. Alors le dos, il est couleur, je sais pas si vous arrivez bien à voir, couleur lilas, je pense que c'est du lilas, avec la petite fleur rosace, un petit peu comme un mantra, ou comme, c'est pas une fleur de vie, mais ça représente un petit peu comme un mantra, c'est très joli. Alors, elles sont de bonne qualité, c'est un plastique, pas un plastique, ça en fait un petit peu brillant là, un carton brillant, elles sont souples, et par rapport à la taille d'un béline, vous voyez la différence. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un inconvénient ou un pour et un contre, comme on dit. C'est bien parce qu'elles sont grandes les cartes et on apprécie beaucoup l'illustration.
Après, pour les personnes qui ont des petites mains, ils ont un peu plus de mal à les brasser. Mais bon, il faut brasser sur le côté ou différemment. J'aime beaucoup déjà ce que je vois. Allez, on va les regarder. Alors, on a le petit numéro ici, entouré d'une autre rond. Comme ça, on laisse bien regarder le numéro. Ici, vous avez le mot-clé entouré aussi pareil. Donc, c'est très bien, c'est très clair. Il n'y a pas de contour. Et la carte, elle est vraiment lumineuse. Déjà, cette carte, elle est vraiment très, très, très belle. Hein? Allez, l'abondance. Accueillir. Célébration. Confiance en soi. Couple intérieur. Couronnement. Enfance. Enfant de la nature. Espoir. Féminin. Cœur d'or. Laisse partir. Le passage. Guérison. Honore tes besoins. Lâche prise. Intuition. L'alchimiste. L'appel du cœur. Lever les voiles. Liberté. Couper les liens. L'ouverture. Masculin. Nouvelles énergies. Claire vision. Danse ta vie. Famille stellaire. Harmonisation. Mémoire cellulaire. Purification. Récupération. Fidélité à soi. Patience. Peau d'âme. Protection. Réceptacle. Reprends ton pouvoir. Rêve. Sacrifice. Retourner le temps. Joie de vivre. Paix. Et gratitude. Vous avez vu, il est super, hein? Il y a des cartes vraiment très, 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 très belles. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet oracle. Les couleurs, ils me plaisent beaucoup.
Les illustrations, elles sont claires. Magnifique, magnifique. La carte de la patience. Bon, il y en a beaucoup qui sont très belles. Allez, maintenant, je vais regarder le livre. Alors, le livre. Le livre, l'oracle du chemin intérieur, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 150 pages. Je dédie cet ouvrage à tous les chercheurs de vérité, à tous ceux qui ouvrent pour l'élévation de ce monde et de sa libération. Donc on a les sommaires avec les noms des cartes. Pour chercher pour rapidement la présentation. Alors juste je voulais un petit truc. Présentation. Cet oracle est né du parcours de guérison et de libération de l'auteur qui à travers ses peintures a voulu créer des clés vibratoires à chaque problématique rencontrée par tout humain sur les parcours d'évolution. Chaque peinture est le résultat du travail effectué sur une problématique donnée. Dans chaque œuvre, une énergie et une intention particulières ont été déposées et vont venir mettre en mouvement le potentiel d'auto-guérison et transmettre sérénité, apaisement et volonté, afin de créer l'harmonie chez les personnes en contact avec les œuvres si elles sont prêtes et disposées à cela. Bon, je vous laisserai découvrir le livre. Technique 2.0. Alors, dans presque tous les actes de guérison proposés à la fin de chaque descriptif des cartes, il sera question de se remettre en point zéro. Je donne donc ici la technique complète dont parle l'ouvrage. Il te faudra y revenir très souvent. Pour se remettre au point zéro, qui est le point de neutralité, ni bien ni mal, ni présent ni passé, d'où le véritable travail, sans attente, peut découler. Donc là, il nous explique les méthodes de tirage. Voilà, ils nous disent que les tirages s'effectuent au feeling. Un tirage des trois cartes est en général approprié pour avoir une idée des points à travailler en ce moment. Une vision des problématiques qui font barrage à l'épanouissement. Donc un tirage par trois et le tirage par sept. Alors là, on arrive aux significations des cartes. Il y en a le livre en noir et blanc. Donc vous avez le numéro ici, le nom, et ici vous avez la description de la carte. Ici, vous avez ce qu'elle a dit tout à l'heure, l'acte de guérison. J'ai choisi de recevoir et de vivre l'abondance positive à tous les niveaux, même si je ne crois pas. Donc c'est des petites phrases qu'il faudra se répéter pour que la carte elle reste bien ancrée en nous. Hein. Et ainsi ensuite. Donc on va regarder un petit peu à la fin, qu'est-ce qui nous marque. Inspiration sur les chemins. Donc il nous explique un peu plus. Remerciement. Il y a un mot à propos de l'auteur. Elle a un site aussi internet si vous voulez aller voir. Hein. Sur son site, vous pourrez trouver toutes ses nouveautés, les peintures de guérison, les portraits d'âmes personnalisés, les deux tomes de son roman Le Voyageur dans l'âme, ainsi que toutes les dates d'exposition à venir. Alors juste qu'est-ce qu'elle nous dit, un petit paragraphe. Née en 1979 en Bretagne, Nolwenn LM est passionnée par le dessin depuis l'enfance. Aimant trop la liberté pour se conformer au système scolaire, elle devient artiste autodidacte. Un parcours atypique la conduira à vivre dans une escouade d'artistes qui organisera des concerts au sein d'une association ainsi que des ateliers de théâtre et de dessin. Mais je vous laisserai tout ça découvrir. Hein? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte et je vais vous lire un passage. Pour que vous voyez un petit peu comment il est fait
le livre par rapport à la définition de la carte. Bon, je brasse pas trop parce que de toute façon, le but, c'est pas faire un tirage, c'est juste choisir une carte pour voir un petit peu la description du livre. Nouvelles énergies. Magnifique carte. Très, très, très belle. Alors, on va la mettre comme ça. Nouvelles énergies. Alors, je vais la chercher. Pour ça, on va au sommaire. Et on va la trouver rapidement. Page 86. Nouvelles énergies. Cette carte est le symbole de l'intégration des énergies de la nouvelle Terre. La fertilisation de l'humanité par les énergies plus élevées. Les particules adamantines qui descendent en ce moment sur la Terre. Si parfois tu te sens perturbé sans savoir pourquoi, si tu vis des émotions changeantes, que tu as des pertes de mémoire, des fatigues que t'obligent à prendre du repos, des perturbations du sommeil ou des douleurs sans cause apparente, il se peut que ce soit simplement les symptômes des perturbations créés par ces énergies nouvelles car elles imposent un changement vibratoire. Tout comme la Lune a des effets sur les êtres humains les plus sensibles, les énergies de l'univers et de la Terre impactent également les êtres humains. Cette carte te demande de ne pas trop t'inquiéter si tu ressens des changements ou des perturbations dans ton énergie ou tes émotions. Ce n'est que la vibration d'un monde qui change pour le meilleur. Ce tirage peut également signifier que tu es sur Terre pour aider à la manifestation et l'accueil de ces nouvelles énergies, de ces nouvelles données pour la libération de la Terre. Ce n'est pas toujours très agréable, c'est comme être en ligne de front et recevoir avant les autres ces énergies pour atténuer un peu l'impact qu'elles auront sur tes semblables. Mais au fond, tu sais que tout cela est juste. Et là, vous avez ici acte de guérison. Remets-toi au point zéro après d'être recentré et canalisé et prononcez trois fois à voix haute cette intention de façon claire. J'ai choisi d'intégrer les énergies d'amour du nouveau monde en douceur, dans la paix et la sérénité, même si je ne sais pas comment faire. Voilà les amis, mais j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je remercie encore les éditions Trédaniel qui m'ont envoyé ces jeux pour que je puisse vous le présenter. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ma vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.